tes mains. Bonjour Alain Baker, nous sortons là de votre film Ramata avec Katouche comme actrice principale. Vous êtes cinéaste congolais, vous venez de tourner ce film, enfin, ce film est tourné à Dakar. Voilà, donc beau film, très émouvant, un conte de fées, voilà. De savoir si le public parisien a la possibilité de voir vos films. Bah écoute, on y travaille, je pense que j'ai bon espoir, je pense que c'est possible. Le film a été terminé il y a 2-3 jours, ouais. Bah, je pense qu'après on a temps pour travailler, trouver un diffuseur, un distributeur. Si c'est pas une sortie en salle, j'espère au moins avoir une télé. D'accord. Et quels sont les distributeurs que vous avez en vue? Est-ce que vous avez des pourparlers? Ou alors vous pouvez lancer un message aux distributeurs français, européens, parisiens, en général? Écoutez, on a quelques contacts, mais je ne veux pas en dire plus. D'accord. Je ne veux pas en dire plus, parce que c'est tellement frais. J'ai pas assez de recul par rapport à ça, mais bon, je garde bon espoir. Je pense qu'on trouvera un bon distributeur ou un bon diffuseur pour parler. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui au distributeur? Juste un message pour convaincant pour que vraiment ce film aille au-delà de Burkina, au-delà du Sénégal. Non, mais je pense déjà, pour moi, bon, d'abord, c'est un hommage à Katoucha qui nous a quittés un mois après le tournage. Oui. Et c'est une femme magnifique dans la vie. Et dans ce film, elle est étonnante, je trouve. Hein. Mm. Et je pense que ça, c'est que pour ça, le film mériterait d'être vu. Et puis parce que le sujet est universel. Oui. Le sujet est universel. Donc, justement, un petit mot sur le sujet. Bah, le sujet, c'est une femme qui se débat avec son passé, qui est poursuivie par son destin, et c'est une sorte de Fatoum, qui est le saut du destin. Elle a fait une petite erreur dans sa jeunesse, et qu'elle finit par payer, mais par amour. C'est une femme amoureuse, c'est l'histoire d'une femme amoureuse. Pour moi, c'est un film pour les femmes africaines.